scandale. Oui. Excellences, messieurs et mesdames les présidents, excellences, honorables députés, excellences, messieurs les maires, messieurs les conseillers municipaux, soit janvier 2013, le Parti du Nouveau Démocratique
comme pas de passé, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce jour, samedi 26 novembre, ça c'est une fête populaire. Et ça c'est le signe visible de la journée, l'ossature de la cérémonie de présentation des vœux du nouveau. Nous aurons droit à l'allocution du maire de la ville de Porto-Novo. Deuxième point, nous avons le président du groupe parlementaire PRD. Nous allons écouter l'allocution de M. Wabi Fagbemi, l'homme de paix, le guide de la souveraineté et du développement de la nation. La ville de Porto-Novo a pris la parole. En tant que première personnalité de la ville aux trois noms, Adjaché, Rombonou, Porto-Novo, pour souhaiter la bienvenue aux militants à cette séance de présentation de vœux à notre président, Maître Adrien Mbeji. Grande est ma joie de constater que les militants se sont déplacés massivement pour honorer notre président ce jour. Au nom des populations, des responsables et des élus de la ville de Porto-Novo et en mon nom propre, je vous réitère mes sincères remerciements pour avoir participé massivement, comme je le sens, dans la liesse, dans la joie, à cette cérémonie. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci beaucoup. Monsieur le Président, au nom de tous mes collègues membres du groupe parlementaire PRD Union fait la Nation, je vous souhaite une belle et heureuse année 2013. La paix du cœur et une santé robuste. Je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les conseillers municipaux ou communaux, les chefs de quartier de ville ou de village, tous les élus locaux pour le travail particulièrement brillant qu'ils abattent pour le bien-être de nos vaillantes populations et sous l'égide des différentes structures de notre parti, le Parti du Renouveau démocratique. Je veux nommer les membres de la direction exécutive nationale du parti, du bureau politique, les responsables des sections, des sous-sections et des cellules de base. À eux tous, je souhaite, au nom de mes collègues du groupe parlementaire, bonne et heureuse année. Plus de persévérance dans l'action politique et dans l'enracinement de notre parti, qui non seulement est un groupe politique de masse, mais surtout une famille. Oui, une famille. Une famille dont vous êtes le père, Monsieur le Président. Ce père qui rassemble et qui, surtout, rassure. Je souhaiterais que nous ayons tous une pensée particulière pour nos frères, tous ces dévoués militants qui nous ont quittés au cours de l'année 2012. Que la terre leur soit légère. Monsieur le Président, la cérémonie des vœux est un rendez-vous très important. C'est en effet l'occasion pour nous tous de porter un regard rétrospectif sur l'année 2012 et de poser de nouveaux jalons pour 2013. 2012 fut une année particulièrement éprouvante pour les Béninois, à la fois sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan politique. C'est une année qui a été très difficile pour notre peuple qui ploie sous le coup de la misère rampante et qui peine à survivre. Cette situation est accentuée par la grave crise financière qui fouette toute la planète. 2012 a été aussi une année d'intense activité pour le PRD sous la direction éclairée de son guide emblématique que vous êtes. Vous qui n'avez ménagé aucun effort pour conduire minutieusement à terme les différents chantiers ouverts. Et ceci, malgré votre agenda particulièrement chargé. Monsieur le Président, dans une démarche républicaine, vous avez su imprimer à notre parti
le rythme nécessaire pour une gestion efficace des différentes activités dans le cadre du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du développement économique du Bénin. Nous en voulons pour preuve que les multiples activités organisées et menées à bien, à ce titre, nous pouvons citer le séminaire des cadres du parti sur la révision de la Constitution, l'atelier sur la correction de la LEPI, suite à l'initiative du parti de mettre tout en œuvre pour contribuer à doter notre pays d'un fichier électoral fiable. L'organisation d'une université de vacances avec la participation de tous les acteurs politiques. Il sied ici de souligner que notre parti a réussi l'exploit inédit de faire plancher deux membres du gouvernement, de même que des cadres chevronnés de l'administration publique. Et il n'est pas exagéré de dire que cela ne serait pas possible sans votre leadership plus que jamais affirmé. Monsieur le Président, toutes ces rencontres de donner et de recevoir ont permis de faire des propositions concrètes, consignées non seulement dans des rapports, mais aussi de présenter à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la correction et l'apurement de la LEPI, ce qui a permis de déclencher des actions ardues à tous les niveaux de l'État. En tant que parti de l'opposition, soucieux du développement harmonieux de notre pays, notre parti est resté au cœur de plusieurs réformes en faveur de notre peuple. Aucune réforme économique pertinente ne peut s'opérer sans une réforme politique préalable. Et c'est pour cette raison que depuis quelques mois, le PRD se permet de s'associer à toutes les initiatives de l'opposition ou de la mouvance qui concourent à l'assainissement de tous les secteurs de la vie dans notre pays. Monsieur le Président, c'est encore grâce à vous, à vos fructueux échanges avec le chef de l'État, rencontre parfois incomprise, que nous réussissons à débloquer bon nombre de situations au Parlement. La parité dans les organes de la correction de la LEPI a été une demande du PRD. Nous avions souhaité que les 21 députés de l'opposition aient 5 membres, au même titre que la soixantaine de députés de la mouvance, dans l'organe politique de gestion de la LEPI. Vous avez réussi, Monsieur le Président, par consensus, à faire entériner par la représentation nationale la répartition des 9 parlementaires à désigner dans le Conseil d'orientation de supervision, suivant une approche quasi paritaire de 5 et 4 membres respectivement pour la majorité parlementaire et la minorité parlementaire. Soulignons que déjà, une parité intégrale a été retenue au niveau des communes. C'est dans la même veine qu'avant la démission d'un député élu PRD du groupe parlementaire PRD Union fait la Nation, démission annoncée par sa sortie du parti qui lui a tout donné, vous avez pris toutes les dispositions pour que par solidarité parlementaire, le groupe parlementaire PRD Union fait la Nation continue d'exister. Chers militants à divers niveaux, en votre nom, je dis un sincère merci au président Adrien Oumedji. Monsieur le Président, outre les lois portant autorisation de ratification des accords de prêt pour le financement de nombreux projets de développement au Bénin, plusieurs lois d'intérêt pour nos citoyens ont été étudiées et adoptées à l'Assemblée nationale, notamment le code de procédure pénale, le code foncier et domanial, pour ne citer que celle-là. Monsieur le Président et chers amis militants, les perspectives pour 2013 sont multiples et variées. Au plan parlementaire, la production législative sera orientée vers l'étude de certaines lois en faveur du peuple, à savoir la loi sur les unités administratives locales, une première dans l'histoire du Bénin, la loi sur la fixation des centres de vote en République du Bénin, le statut de l'opposition, et j'en passe. Ceci nous permet d'aborder l'épineuse question des élections communales 2013 et pour nous, et surtout de récupération. Je vous invite à perdre de vue que leur valeur et leur audience
ne tenait notre détermination à relever ces nombreux défis pour que triomphent les idéaux du parti et de son leader charismatique que vous êtes. C'est le lieu de rappeler aux différents élus du parti leur devoir d'honneur. C'est le lieu de rappeler aux différents élus du parti leur devoir d'honneur. Il convient ainsi que chacun de nous intègre dans sa logique qu'il est en mission pour le parti et qu'à ce titre, il doit se rendre disponible et veiller à l'application stricte des orientations de notre parti. Avant de mettre un terme à mon propos, je voudrais une fois encore réitérer mes meilleurs vœux au président Adrien Ndoumi. Que la Providence vous comble de ses grâces, Monsieur le Président, et qu'elle obtienne pour vous tout ce que vous désirerez pour cette nouvelle année. Je voudrais vous demander de continuer à prier pour nous qui sommes autour de vous, malgré nos défauts et contradictions, afin que nous continuions à cultiver la paix comme vous l'apprenez chaque jour, l'amour et la fraternité. Pour vous, chers responsables et militants, je souhaite une année de paix, de succès et de persévérance, afin que Dieu ait perdu les idéaux de notre parti. Que Dieu protège notre leader, Maître Adrien Mbédi, et bénisse le Bénin. Je vous remercie. De nous retrouver autour de vous en début d'année pour sacrifier à la cérémonie de présentation des vœux. C'est un plaisir particulier pour moi, à qui ai choisi le devoir de mobiliser mes camarades, pour donner à la cérémonie la dimension qui correspond à votre personnalité. C'est aussi un honneur pour moi de prendre la parole au nom de ces braves militants que vos idéaux continuent de charmer. Leur présence massive ici est l'expression de ce charme-là. Permettez, Excellence, Monsieur le Président et chers amis, que je commence par remercier le Seigneur Tout-Puissant pour nous avoir maintenus en vie et le prier de continuer de répandre sa grâce sur nous. Je vais ensuite remercier Maître Adrien Mbédi pour son courage militant qui continue de nous faire rêver, car la politique, c'est aussi l'art de faire rêver. Mais nous savons tous que la réalisation des rêves ne relève que de la seule volonté de Dieu. Et nous savons aussi que Dieu est avec nous, car nombre de vos actions, Monsieur le Président, ont favorisé des avancées démocratiques significatives dans notre pays et nous ont évité bien des écueils. Vous avez toujours préféré le dialogue à l'affrontement. Vous n'avez pas toujours été compris, mais souvent, les faits vous ont donné raison après coup. Soyez-en convaincus, la postérité vous en saura gré. Excellence, Monsieur le Président, les résolutions et les recommandations issues de notre troisième congrès ordinaire ont induit dans notre parti une nouvelle dynamique politique. Ainsi, avec votre appui et votre engagement, la direction exécutive nationale a organisé des journées de réflexion sur des sujets d'actualité et d'intérêt national tels que la journée de réflexion sur le décret numéro 2009-548 du 3 novembre 2009 portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Le séminaire de réflexion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, qui a fait des recommandations assorties d'un calendrier et d'une proposition de loi sur la correction de la dite liste. La tenue de l'université de vacances de septembre 2012, au cours de laquelle des experts et ministres du gouvernement encore en poste ont planché sur des thèmes
qui défrayaient la chronique, notamment organisation des filières agricoles, cas du coton au Bénin, évolution et perspective du programme de vérification des importations nouvelle génération, PVING. Excellence, Monsieur le Président, le Parti du Renouveau démocratique est désormais un parti de l'opposition pour avoir rempli les formalités et fait officiellement la déclaration conformément aux décisions issues du 3e congrès ordinaire des 9 et 10 février 2012. Depuis lors, vous vous êtes impliqué corps et âme dans toutes les activités politiques pour imprimer une plus grande visibilité au parti. Je voudrais dire que sous votre conduite, la direction exécutive nationale fait désormais preuve d'objectivité, d'esprit critique, formule des solutions alternatives et de ce fait, notre parti participe à la préservation de la paix et à la construction de notre nation. Vos différentes rencontres avec le président de la République en sont des témoignages éloquents. Le parti a posé, au cours de ces deux dernières années, des actes politiques qui ont renforcé la crédibilité du parti au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place la proposition de loi issue de notre séminaire de réflexion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, qui est celle en partie adoptée à l'Assemblée nationale, ainsi que nombre de recommandations que nous y avions formulées. Je ne dois pas oublier de dire que l'incompréhension au sein de nos représentants au conseil communal, au conseil municipal de Porte-Nouveau est en voie de règlement. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous dire, sinon, vous rassurer du soutien des militants. Ils ont manifesté avec enthousiasme leur adhésion à cette nouvelle vision au cours de la tournée d'information et de sensibilisation de nos structures organisées par la Direction exécutive nationale. Ils sont déterminés à renouveler les structures et à renforcer l'assise du parti sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Président, nous abordons une nouvelle année, l'année 2013. Celle des élections municipales, communales et locales. Nous mesurons bien la complexité et les risques que cela comporte et notre formation politique a assumé sa part de responsabilité dans les dispositions pour les minimiser. Nous continuons de travailler pour accroître notre surface électorale. Prions le Seigneur qu'il fasse en sorte que notre démocratie en sorte grandie. Je souhaite que notre formation en sorte plus forte et plus crédible. Je souhaite que notre président en sorte plus rayonnant et plus fier. Messieurs les membres de la direction exécutive nationale, messieurs les membres du bureau politique, messieurs les présidents des sections, honorables députés, messieurs les maires, chers militants, nous devons nous battre tout en faisant preuve de discipline, de patriotisme et d'engagement politique. L'année 2013 doit être pour nous l'année d'une prise de conscience pour rendre les structures de base plus fonctionnelles et plus efficaces conformément aux décisions issues du dernier congrès ordinaire du parti tenu en février 2012. L'année de fortification d'un esprit patriotique à travers une formation politique soutenue et qui doit se manifester par une participation financière, physique et morale des uns et des autres aux activités du parti, comme l'a recommandé le même congrès ordinaire de février 2012. Plus globalement, je souhaite que l'année 2013 vous comble, vous, messieurs les présidents, monsieur le président, vous m'excusez, votre épouse, votre famille et tout votre entourage,
de tous les éléments qui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. À chacun de vous qui avez fait le déplacement pour rehausser la cérémonie, je souhaite que 2013 vous comble de joie, de santé et apporte la paix autour de vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers amis, d'avoir à honorer de votre présence cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci, Monsieur. Nous invitons royalement, majestueusement, Messieurs les membres de la direction exécutive nationale, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les membres du bureau politique du PRD et Mesdames, Messieurs les élus du parti, honorables députés et élus locaux, Messieurs les représentants de nos structures verticales, Messieurs les représentants des structures horizontales, chers militants et militantes. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que l'on écoute à l'orée d'une année nouvelle les vœux de bonheur et de santé que vos camarades de lutte viennent exprimer à votre endroit et à l'endroit de vos proches. Mon émotion est donc très grande et je voudrais vous remercier d'être venus encore plus nombreux que l'année dernière. Mon émotion est grande parce que les discours que j'ai entendus ce matin sont des discours de haute qualité, de haut niveau politique, et cela est le signe que le parti est en pleine évolution et ses responsables en pleine maturité. Je tiens à vous en féliciter. Je vous félicite tout particulièrement parce que, comme à mon habitude, nous laissons chacun libre cours à ses inspirations. Mais chaque fois, nous avons toujours le cœur qui bat fort lorsque vous allez lire vos discours. Et nous nous disons, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, félicitations. Félicitations, monsieur le président du groupe parlementaire. Félicitations, monsieur le secrétaire général. C'est parfait. Nous sommes contents. Il y a un an, le 12 février 2012, lors de notre congrès, nous avions ensemble fait le pari que le PRD ne tomberait pas. Nous avons fait le pari que le... Nous avons fait le pari que le PRD continuerait à être un grand parti politique, le véritable animateur de la vie politique de notre pays. Nous avons fait le pari que ce défi-là, nous pouvons le relever tout seul et que c'est en relevant ce défi que nous pourrons contribuer à renforcer les forces politiques qui font le Bénin. Eh bien, je crois que ce pari, auquel beaucoup ne croyaient pas, nous sommes en train de le gagner. Monsieur le président du groupe parlementaire, ainsi que le secrétaire général, ont décrit avec beaucoup de minutie les différentes tâches qui ont été accomplies par le PRD au cours de l'année qui vient de s'écouler. Ils n'ont pas caché, ils n'ont pas voilé les écueils auxquels nous avons dû faire face, les difficultés auxquelles nous avons dû faire face. Nous avons réussi sur beaucoup de plans, nous n'avons pas réussi sur certains plans, mais la vie politique est un combat, nous devons continuer. On ne tombe que pour se relever. Nous continuons de nous relever. Monsieur le président du groupe parlementaire, vous avez évoqué tout à l'heure avec le secrétaire général notre contribution dans le débat sur
la révision de la Constitution nationale. Vous avez évoqué la contribution que nous avons apportée dans le débat sur la révision de la LEPI. Vous avez abordé également la contribution que nous avons apportée lors de notre université de vacances sur les deux épineux dossiers qui concernaient l'économie de notre pays, à savoir le PVI, nouvelle génération, et la réforme du secteur agricole. Nous continuons d'avancer. Beaucoup de choses ont été dites, mais comme vous l'avez dit, c'était la première fois au Bénin qu'un parti politique d'opposition réussissait à réunir au sein d'un même groupe de travail des responsables de l'opposition et des responsables du gouvernement, des responsables de la mouvance. Je voudrais que nous continuions à faire de la politique comme ça. Et je me souviens qu'au mois de septembre, lorsque nous avons voulu faire cette université de vacances, nous avons tenu à ce qu'il y ait des représentants du gouvernement et des gens, des forces qui soient contre le gouvernement. Certaines n'ont pas accepté de le faire. Je suis heureux de vous dire que ce matin même, j'ai reçu un document envoyé par une de ces structures qui n'avait pas voulu participer en tant que telle à notre université de vacances et qui nous envoie aujourd'hui le travail qu'elle a fait. Pourquoi elle nous l'envoie? C'est pour que nous nous en inspirions pour prendre position sur les dossiers en question. Félicitations à vous d'avoir réussi cela. Monsieur le secrétaire général, vous avez dit tout à l'heure que notre parti se doit d'être un parti ayant de la visibilité, mais d'être aussi un parti ayant de la crédibilité. Visibilité, c'est ce que nous faisons. Crédibilité, c'est le sérieux avec lequel nous le faisons. Crédibilité, c'est le sérieux avec lequel nos partenaires, comme nos adversaires, prennent nos travaux. Nous devons vous en féliciter. Nous devons aussi montrer que nous sommes un parti crédible. Nous avons passé 8 ans, 9 ans à critiquer la forme de gestion du pays. Nous avons dénoncé la précipitation, l'insuffisance de réflexion. Nous avons dénoncé les décisions hasardeuses. Il ne faudrait pas qu'à notre niveau et au sein des quelques rares structures dont nous avons la gestion, notamment celle de Porte-Nouveau, que le reproche que nous faisons aux autres, que les autres nous fassent le même reproche. Que l'on puisse dire que là où le PRD gère, là où le PRD gouverne, eh bien, c'est gouverner avec bon sens. C'est gouverner avec le souci de l'efficacité, mais aussi le souci de la bonne gestion. Monsieur le secrétaire général, vous avez fait allusion tout à l'heure aux incompréhensions qui sont nées au sein du conseil municipal de Porte-Nouveau parmi nos représentants. Et vous avez dit que ces incompréhensions sont en cours, en voie de règlement. Je vous remercie de nous annoncer cette nouvelle ici aujourd'hui. Permettez-moi cependant de féliciter le maire de Porte-Nouveau pour les initiatives qu'il prend. Mais permettez-moi aussi de dire que tout ce qui brille n'est pas or. Et que si nous avons des conseillers municipaux, si nous avons fait en sorte qu'en plus des représentants populaires, nous ayons au sein de nos conseils municipaux des cadres formés, compétents, c'est parce que nous voulons les écouter. C'est parce que nous voulons tenir compte de ce qu'ils nous disent, des avis qu'ils nous donnent, des conseils qu'ils nous donnent. Parce que c'est en s'écoutant les uns et les autres que l'on progresse. Personne ne sait à lui tout seul tout ce qu'il faut faire. Et permettez-moi de remercier publiquement, au nom de tout le PRD, les 5 présidents de commission, les 5 présidents de commission de la municipalité de Porto-Novo.
ils ont produit un document qui est digne, qui nous fait fiers. Nous pouvons, la tête haute, dire que nous avons évité à notre ville de Porto Novo une gestion hasardeuse. Nous avons évité à notre ville de Porto Novo une gestion catastrophique parce que insuffisamment pensée, insuffisamment réfléchie. Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis pour ce que vous avez fait. Et c'est cela qui permet à tout le monde de connaître aujourd'hui où se trouve le vrai débat au sein de la commune de Porto Novo. Moi, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien. Ce que j'attends, c'est que les valeurs autour desquelles nous nous sommes battus pendant 20 ans soient respectées. Que l'on dise du PRD, c'est un parti sérieux. Que l'on dise des responsables que nous avons mis à différents postes, c'est des hommes réfléchis. C'est des hommes qui veulent la bonne gestion. Ce n'est pas des hommes qui veulent la démagogie. Et les conseillers que nous avons pris sont là pour ça. Surtout les présidents de commission. Il y a eu des tendances à les marginaliser ces jours-ci. Moi, je leur dis ici et publiquement que c'est tout le PRD qui est avec eux et qui est d'accord avec eux. Les Badirou Latifi, les Soudinou, les Aronsou, les Insou Jocelyne, qui d'autre? Et Acha, je vous dis merci. Parce que c'est ce que je dois faire qui nous permet d'être fiers. Sinon, avec l'éléphant blanc que nous avons au pont, nous aurions eu un autre éléphant blanc. Et on dit, c'est le PRD, ça vous dit. Moi, je ne veux pas ça. Je n'attends plus rien. Grâce à ce que vous avez fait, les gens savent pourquoi les bus ne sont pas arrivés ici au mois de janvier. Je ne veux pas que, sous notre responsabilité à nous, on fasse des bus, un cimetière de bus. Voilà, mes amis. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Quand vous avez des convictions, quand vous avez que vous êtes sur le droit chemin, il faut y persévérer. Et la réputation que le PRD a, la réputation que nous avons, c'est laquelle nous sommes mêlés à rien, n'est-ce pas, à aucun scandale. Il faut continuer dans cette voie. Je tenais à le dire publiquement parce que j'ai senti cette semaine que ces présidents de commission avaient l'air d'être des malheureux parce qu'on les montrait du doigt comme des gens qui seraient opposés au développement de la ville de Porto Novo. Quel est le Porto-Novien qui est opposé au développement de la ville de Porto Novo? Dites-moi. Dans nos quartiers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, les canalisations sont bouchées. Qui n'est pas sensible à ça? Nous sommes tous sensibles à cela. Et notre souci, notre souhait, et de changer cet état de choses, mais de le changer avec rationalité, de le changer avec esprit de responsabilité, pour que demain, on puisse dire, ces gens-là, ce qu'ils ont fait est bon. Pensez seulement à la situation que nous vivrions aujourd'hui, si nous n'avions pas dit stop pour la construction de l'hôtel de ville tel que c'était parti. On aurait bien sûr cassé les murs, on aurait creusé des fondations, et ça serait resté comme ça. Qui est responsable? La honte jaillirait sur qui? Sur vous, chers collègues. Et c'est ça que nous n'avons pas voulu. L'hôtel de ville, nous la construirons. Mais nous le construirons lorsque nous aurons trouvé le financement. Le budget d'investissement de la ville de Porto-Novo est de 600 millions seulement par mois. 600 millions. Si ça passe à 1 milliard 300, c'est parce que l'État nous envoie des subventions. 600 millions. Nous voulons construire un hôtel de ville de 5 milliards et demi. Nous les trouvons où? Nous ne les avons pas encore trouvés. Nous n'avons même pas encore discuté avec les gens qui peuvent nous donner. Qui peut nous donner? C'est le gouvernement qui peut nous subventionner. C'est les institutions financières internationales qui peuvent éventuellement nous subventionner. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas discuté avec eux. Et nous voulons déjà casser les murs parce que les élections approchent. Et on veut montrer qu'on fait quelque chose. Non, nous ne procéderons pas comme ça.
Non. Nous ne procédons. Excusez-moi, moi je n'attends plus rien. Mais je dois dire la vérité. Parce que toute ma vie a été un combat pour le respect de certaines valeurs. Nous ne pouvons pas. Si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, la brigade économique et financière serait à la recherche des responsables de l'hôtel de ville de Porto Novo. Parce qu'un chantier serait déjà à l'abandon. La brigade économique et financière serait déjà aux trousses. Vous croyez que c'est bon pour nous, ça? Autobus. Qui ne souhaite pas qu'il y ait transport commun à Porto Novo? Quand vous dites autobus, qui vont arriver, qui sont donnés, vous avez d'abord, mais où est-ce qu'on va les garer? Où est le parking? Où est le garage? Si vous ne l'avez pas fait, vous devez dire, attendez d'abord que nous fassions le parking. On ne va pas prendre les autobus et aller les garer au bord de la lagune. Vous dites, on va gérer. Mais où est la société chargée de gérer? Est-ce qu'elle est créée? Est-ce qu'un appel d'offres a été fait? Est-ce qu'un cahier des charges a été élaboré? On dit, les autobus vont arriver. Parce que dans quelques mois, il y a les élections. Les gens vont applaudir. Les autobus sont arrivés. 6 mois après, on verra, les autobus sont toujours garés quelque part. Je ne veux pas ça, mes amis. Et je suis sûr que vous aussi, vous ne voulez pas ça. Alors j'ai vu, je vous le dis, j'ai été écœuré. J'ai vu un message de vœux adressé à la population, l'appelant à la rébellion, à la révolte contre les anti-développeurs. Moi, Adrien Gouedji, je suis anti-développeur de Porto Novo. Mes amis, c'est pour ça que j'ai dit que je remerciais tout à l'heure les présidents de commission. Avant même que je ne sois rentré, ils avaient apporté la réaction qu'il faut apporter à ça, en disant non. Non. Je crois que ce document vous a été distribué. Et c'est moi. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher pour les choses que je fais. C'est moi, lorsque j'ai vu le discours de fin d'année du premier responsable de la mairie de Porto Novo, lorsque j'ai vu la réaction des présidents de commission, j'ai dit, mais la parole, c'est comme la flamme. Si vous mettez un panier là-dessus, la fumée sort de tous les côtés. On ne peut plus cacher ça aux populations. Prenez le discours du 1er janvier, là, de vœux, mais prenez aussi le document qui a été élaboré par les commissions et donnez-le à tous les militants. Et le débat est ouvert. Il n'y a rien à cacher. Vous avez reçu, non? Il n'y a rien à cacher. Le débat est ouvert. Lisez et formez-vous votre opinion. Vous arrivez dans les quartiers que les gens vous jettent des cailloux. Vous direz oui, vous aurez mérité les cailloux que les gens vous ont envoyés. Mais moi, je sais qu'ils ne vont pas vous envoyer des cailloux si vous leur expliquez que c'est pour leur bien que vous vous comportez comme ça. Il n'y aura pas de cailloux. Voilà ce que je voulais dire au cours de ces vœux. Je remercie le secrétaire général pour avoir effleuré la question. Mais si je ne le fais pas, moi, je serai injuste. Injuste vis-à-vis du courage des camarades qui ont fait ce papier. Je les félicite et je leur dis merci au nom des populations de Porto-Novo. Mes chers amis, ce n'est pas une digression. C'est parce qu'on a dit que notre parti doit avoir de la visibilité. On a dit aussi que notre parti doit avoir de la crédibilité. On veut que partout où on parle du PRD, nous voulons qu'on dise que ce parti-là est à part. Je souhaite qu'à Porto-Novo, comme dans les communes que nous dirigeons actuellement, et comme dans celles que nous dirigerons demain, car je pense que nous allons en diriger d'autres, je souhaite que la règle d'une bonne gestion soit la règle respectée par tous les conseils. Cela étant, je vous remercie pour tous les vœux que vous avez formulés à mon endroit. Je forme à l'endroit de chacune et de chacun d'entre vous, à l'endroit de vos familles, à l'endroit de vos structures respectives, des vœux de bonne santé pour l'année 2013, des vœux de bonheur, des vœux de prospérité, des vœux de prospérité et des vœux vraiment de tout grand bonheur. Je voudrais formuler à notre parti le souhait qu'il soit un parti crédible,
un quartier plus visible qu'hier. Nous, nous sommes déjà vieux. Nous allons partir. C'est aux jeunes que nous voulons passer la main. Je souhaite qu'ils comprennent qu'ils ont un héritage en main et que cet héritage-là, leur rôle, c'est de le faire fructifier pour que demain, après eux, d'autres encore puissent dire « Ce parti est un grand parti, nous y adhérons. » Je vous remercie. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Merci, ovationnez une fois encore le président. Mes amis, le slogan de notre parti, ça va rester mou comme ça, ça ne nous ressemble pas. Et quand on dit choco, choco, c'est choco, choco. On doit gagner. Choco dans Tchaka, on doit gagner, on doit gagner, on doit gagner. On va passer tour à tour saluer le président. Après eux, les présidents de section ici présents. Ah, vous m'excusez, les maires, les CA et le président pour aller saluer le chef d'état-major. Donc, les membres de la direction exécutive nationale, le chef d'état-major, Wessénérand, qui a organisé une messe d'action de grâce aujourd'hui. Suivra donc les membres du bureau politique. Après les membres du bureau politique, les résultats des différentes sessions. Les maires d'abord. Bureau politique, les députés, les maires. Les maires. Les présidents de section et sous-section se préparent.
se prépare. Se prépare. Nous
Et on y va, c'est bon.